Le special guest de ce soir dans les métissages, il écoutait déjà du jazz à une époque où on s'écoutait têter nos biberons. Donc il était logique qu'il finisse par bosser avec nous sur Couleur 3, vu l'importance que prend le jazz dans la musique actuelle, le hip-hop notamment. Bruno Düring, bonsoir. Merci de nous recevoir, je suis très impressionné. Hein. Un peu paniqué, mais on va s'en sortir, je crois. Je crois qu'on va s'en sortir. On ne va pas vraiment changer l'ordre de l'émission. À partir de 22h, on va se faire écouter des disques entre nous, avec les auditeurs. Avec grand plaisir, oui. Et d'ici là, on va se faire des mix de DJ, puisque c'est la mode en ce moment. Hein. Bien sûr. Les mix de DJ. J'aimerais jouer beaucoup. Toutes les nouvelles musiques, trance, garage, jungle, etc., qu'on promotionne sur Couleur Soie. Ce soir, un mix hard trance d'un DJ genevois qui se fait appeler Jeff. C'est assez étonnant. Qui pensaient que le temps des grandes rêves était révolu sont un peu trompés. De Cubic à Energy 95 en passant par les Rave Awards le 13 mai prochain à Zurich. C'est des centaines de DJ qui vont défiler par ici. Avec pour débuter Dreamscape 9 qui après Munich aura lieu à Genève. Gare de la Praille, ça se passera dans quelques jours avec une vingtaine d'invités dont Lux Slater, Bounty Hunter, etc., etc. Et Jeff que vous entendez donc en ce moment ce soir dans les métissages. Un mix art trans, Bruno Düring, un avis sur l'art trans peut-être. C'est de la trance qui m'est totalement étrangère, je dois vous avouer. Totalement Eric. Mais bon, chacun a le droit de monter ses bandes. Je suppose que c'est du montage en digital, ça. Hein. Exactement, ouais, c'est de la musique électronique pure. Ça m'a fait penser à une expérience qu'on avait fait une fois. On avait ramassé des bouts de bandes magnétiques, donc pas en numérique, justement. Analogique, merci. Et on avait pris le fond de la corbeille, comme l'émission du même nom à la télé, et on avait raccordé bout à bout. Et de temps en temps, ça donnait des résultats assez étonnants. Un petit peu comme ça pour moi. Décollage sonore. Un peu, en fait. Voilà. We'll be right back.
family relationship. Jeff, qui sera donc le 25 mars à Genève, gare de la Praille, pour la 9e édition de Dreamscape avec tous les gros DJ suisse alémaniques, des pointures comme Ralph Eddy. Au Lux Later, on en reparle sur Couleur 3, on aura même très prochainement des invitations. Thank you.
Métissage.
Thank you.
Minutes de mix hard trance de part avec Jeff de Genève, 30 minutes courageusement supportées par Bruno During, plus habitué à écouter du jazz mélodieux, mélodique sur Radio Souffrement de la Première. Bah, c'est-à-dire que c'est pas tellement plus habitué à la musique qu'on fait sur la première, mais plus habitué au partage dans la musique. Moi, ça me donne l'impression d'un type, bon, un DJ en travail, un DJ qui fait ses mix. Et qui fait une sorte d'ego trip, je veux dire. Il se fait plaisir et les autres ont qu'à subir. Donc, je veux dire, il n'y a aucun partage. Alors que moi, je sors peut-être d'une génération où il y a les musiciens d'un côté, le public de l'autre, et il y a un courant qui passe. Et là, c'est la volonté d'un seul gars avec son mix à lui, qui peut partager avec aucun autre DJ. Et puis, le public de l'autre côté. J'ai l'impression que finalement, il en a rien à branler. Je veux dire, si les gens payent pour venir danser ça, tant mieux pour lui. Puis s'il n'y a personne, bah, tant pis, il va faire un autre mix une autre fois. Alors c'est un petit peu dommage sur ce plan-là, je veux dire. Mais musicalement, j'ai rien à dire. C'est pas une échelle de valeur. C'est simplement qu'il n'y a pas de partage. Je trouve ça très dommage. C'est vrai que c'est une nouvelle approche. C'est le musicien tout seul qui conçoit derrière des ordinateurs dans son studio perdu. Oui, c'est un peu dommage parce que tout le monde se plaint d'être isolé dans la société, que personne ne fait attention à l'autre, etc. Et si musicalement il se passe la même chose, alors je ne sais pas comment les gens vont se détendre. C'est ça que je ne comprends pas très bien. Les musiciens qui se mélangent, qui cohabitent, on en écoutera tout à l'heure à partir de 22h des jazzmen qui composent avec des rappeurs, etc. Mmh. etc.
Une des têtes d'affiche de la rêve Evolution. En mai prochain à Zurich, Jens Lissat, qu'on surnomme parfois le Godfather of Trance. Jens, avant le premier DJ invité ce soir, du label Work Amsterdam entre Progressive et Under Eric. Everybody on the floor. Everybody on the floor.
Un des DJ italiens que vous retrouvez désormais fréquemment dans ces métissages avec Ivan Iacobucci, Alex Natale et d'autres, Massimino.
must be the Honda Weasel Steel. Yeah. That's right. Bounce to the beat, bounce to the beat. Bounce to the beat, bounce. Oh yeah. Bounce to the beat, bounce. 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 Massimino. To the break is out. To the break is out. You gotta bounce to the beat, bounce. You gotta bounce to the beat with the mystical tribe. Massimino, Mirko Mani, and I am the Sparrow MC. Bounce to the beat. Here we go again, here we go again. Bring on the beat. Bring on the beat. Bring on the beat. Bounce to the beat, bounce. 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 Everybody, bounce to the beat, bounce. Come on, bounce to the beat, bounce. Break it on, break it on. Break, 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 break for love. Break for love. Break for love. Drum.